Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Mad Max avec Mad Marcus et la bouteille de coca qui descend le long de la dune. Donc on va aller se faire comme prévu, chers amis, ce camp, tout simplement. Le camp du Caïd, apparemment, donc ce sera un boss à la fin. Ce qui est plus mieux encore. Ok, donc normalement j'ai bousillé Aïe. Ok. Donc, je pensais que ça allait être mortel, mais je m'attendais pas à ce point-là. Et la réserve est là-haut. Est-ce que je peux par exemple prendre le sniper ? Oui, bah malheureusement, je ne peux pas. Welcome to your doom! Je l'ai pas vu venir celui-là. Putain, mais il conduit la voiture en fait. D'accord, ok, j'ai compris comment ça marche. Monter dans le véhicule. Est-ce que je peux par exemple prendre le. Parfait. Ah mince, je l'ai ramené, c'est pas ce que je voulais faire. Allez bien. Voilà, merci. I'm going right here. What? Putain, il y en a un deuxième en face. J'avais pas vu, il y en a un deuxième en face. C'est pour ça que ça a été aussi douloureux à mon avis. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Crac. Voilà. Défense du périmètre éliminée. Alors, on récupère combien? Rien du tout là-dessus, donc c'est pas la peine. Bon, allez, les mecs! Aïe! Tiens, bouffe! T'apprendras. Oh bah, ils ont un coup chacun. Les pauvres. S'ils étaient aussi résistants que ça. Alors, une relique historique, 4 emblèmes, 9 ferrailles. Putain, 9 ferrailles. Alors. Eh ben allons-y, chers amis. Par contre, niveau 3. Ferraille. bien tenté, jeu. On va se healer un petit coup, par contre. Parce que bon. C'est marrant que ce soit niveau. Faut que je fasse plein de flottes, ouais, je sais bien, mon petit Max. Pas d'emblème, non. Semblerait que non. Ok. Ça fait du mal par où ça passe, ça par contre. Alors. Boum. Dis au revoir à ton bras. J'arrive pas à faire une. Ah la vache. Voilà, ça c'est fait. C'est marrant, j'ai plus l'indicateur de fureur qui se met en place. Donc c'est peut-être parce que je tape plus assez. Je fais que des gros coups en fait en ce moment. Pour être tout à fait précis. Ok, 3 et 4. Parfait. C'est pas gigantesque, mais c'est là. Oh putain, vous les avez vus les deux emblèmes?
Alors, voyons voir. Est-ce que je suis bon ou est-ce que je le suis pas? Ok. Apparemment, il a pas 36 000 moyens d'envoyer le truc. Et là, il est derrière le truc. Ok. Ah non, attendez. Je suis trop con. Je suis trop con. Wanna fight? Voilà. Du coup, autant en profiter si je peux par exemple l'utiliser pour quelque chose d'autre. Genre les points là, non? Non, non, non. Ah. Oui, il aurait pas mal me parler, mais c'est pas grave. On y va. Non, raté. Voilà, ça t'apprendra. Boum. Boum. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Petit peu de ferraille. Un pont. Tenu d'une manière complètement incompréhensible. Alors sinon, c'est que je l'aurais pas vu tout à l'heure. Ah oui, non, d'accord, là, simplement. Oh, hey, tu peux pas venir genre simplement faire tourner la manivelle ou la péter à la main? Si, ça y est. Et boum! Oh, des ennemis. Boum, ça prendra. Voilà. Oula, d'accord, continue ton combo, t'as raison. J'ai plus la fureur. Ah si, je suis en fureur pourtant là. Ah non, je suis pas en fureur. T'apprendras. Tu tombes et c'est le boom. Boum! Voilà! Là, je m'amuse. Merci les mecs, c'était sympa. Magouilleur passé à roi des sables, yes! Ah, ça c'est cool. Ça veut dire qu'on a des nouveautés. Oh, on a des nouveaux points. 175, on peut se les payer. On a une nouvelle veste? Oh! 175 aussi, on se la paye, c'est pas grave. Je sais pas, on peut voir la prochaine ou pas? Non, pas encore. On a des nouveaux protège-poignets. Ouais, pourquoi pas. On peut avoir assez pour le reste par contre. Ah si, la barbe, ça va. Alors, peinture de course sur le visage avec lunettes. Ça coûte 0. Brevart, oui, ok, d'accord. Tache de graisse sur le visage avec lunettes. Ah, ça c'est déjà un peu mieux. Ça j'aime. Pas la marque. Ça, dirais. Enfin espace, j'aime. Pas S-A-G-E-M. Finition enchaînée au dur. Un onglet aux finitions enchaînées par une exécution sur un instantané. D'accord, ça va être intéressant, mais j'ai pas les trucs pour faire ça. Donc désolé. Ok. Je vais retourner sur l'autre place, sauf si ça permet de monter ça. Oui, je pense que ça permet de monter. Alors que là, je vais arriver en fait en bout, j'imagine. Ouais, voilà, là où il y avait le snipe. Ah non, même pas. Je monte aussi par là, alors ça, ça m'intrigue. Parce qu'en plus... Ouais, donc non, je vais revenir là d'ici quelques minutes. Pour l'instant, je vais aller visiter le reste. Parce que bon, c'est pas le tout, mais voilà quoi. Si là il y a un passage, si c'est juste pour l'emblème que j'ai déjà détruit, bah tant pis. Mais si c'est pas juste pour ça, tant mieux. Je crois que c'est juste pour l'emblème, malheureusement. C'était juste pour l'emblème. Bon, bah voilà. Un petit peu de temps perdu, c'est pas grave.
Parce que vos épisodes sont bien assez longs en ce moment, je pense, vous n'avez pas trop à vous plaindre. Je prends de l'avance pour uploader, donc. Enfin, je m'y prends tôt dans la journée, je veux dire. Alors. Bon, sauf les journées où j'ai du Robocraft et du Elite Dangerous, parce que bon, voilà, c'est des jeux qui sont principalement en ligne. J'ai pas besoin d'avoir un ping plus moisi qu'il ne l'est déjà. Alors. De l'eau. Ce qui veut dire qu'on approche du boss, chers amis. En fait, je pourrais la remplir en entier. Non, ça va être écrac. Si c'est le cas, c'est vraiment écrac. Ça joue à rien. Alors. Le boss actuel, ce sera Brise-Moignon. Donc il nous reste ici à trouver une relique, un emblème et deux ferrailles. On doit pouvoir trouver dans la zone. Oh, c'est sympa par là. Encore un sadomasochiste, enfin un masochiste. Wow, what, what? 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 Mais qu'est-ce qui se passe avec la physique du jeu? Mais what? Bouffe tes propres flammes. Voilà. Ok, raté. Raté. Joli. Joli. Oh, joli. Putain, il est bon, ouais. Eh oui, c'est tes propres flammes. Tiens, bouffe! Allez, ramène tes fesses! Je peux pas faire une punition sur un, j'ai pas pu le finir avec une punition sur un. Aïe! Aïe! Vite, pas les flammes, pas les flammes, vite! Oh non! Je crois que je l'ai tué au dernier moment! Fais chier! Ah, fais chier, fais chier, fais chier! Je crois l'avoir eu en plus au dernier moment, mais c'est son action qui m'a tué! Ah, merde! Je réapparais où? Pas à la forteresse! S'il vous plaît, pas à la forteresse, ça se fait pas! Non, c'est bon! Wouhou! Je réapparais avec mes munitions? Non! Alors, par contre, oui, alors la physique qui va encore se chier dessus! Voilà. Pourquoi que tu n'as reculé? Tiens, brûle! Ok! Raté! Prends une autre arme. Ouh, le surin! C'est une erreur, ça.
Ok. Bah allez, ramène tes fesses. On avait entendu qu'il aimait pas le feu, je me rappelle de ça maintenant, mais... Allez, vas-y, cours-moi dessus. Allez, flamme, là. Voilà, ça t'apprendra. T'aimes pas ça, hein? Aïe. Aïe. Raté. 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 Ça serait tellement beau que tu crames. Crame, te dis-je. Je veux qu'il crame, chers amis. Oui. Non, ça n'a pas suffi à le tuer. Voilà, c'est là. Là, je peux le finir. D'accord. Boum. Ça, c'est fait. Non sans difficulté, mais ça, c'est fait. Tuer le caïd. C'est bon. Merci. 71%, mais ça va se finir, ça, chers amis. Vous inquiétez pas. Couleur de carrosserie débloquée. Ah, ça, c'est cool. J'ai un nouveau harpon aussi. Ok, pourquoi pas. Couleur de carrosserie, couleur, c'est là, sur la bombe de peinture. Ça me semble assez logique. J'ai celle-là, la peinture de course. Oh, trop moche. Ouais, c'est moche. Ouais, c'est moche. Oh, que c'est moche. Oh, que c'est moche, chers amis. Archange, vite, 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 choisir la jack, construire. Voilà, je préfère encore voir ça tout rouillé, tout moche. Alors, ici on a plein de trucs à faire malgré tout. Hop. Ouh, le caïd. Voilà, niveau 1, ça c'est cool. Ah, c'était pour ça que j'ai eu la, justement la... La truc, la couleur de carrosserie. Ah non, c'est bien le caïd, c'est bien le caïd, c'est moi qui me trompe. C'est bien suite au caïd. Hop. Donc on a une ferraille ici. C'est le lit du caïd en fait ça. Oh non, c'est quoi qui est dedans? Ça m'intrigue. Il était gay en fait. Intéressant. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre. On se calme. Alors je vais encore avoir le droit à la putain. Allez, vas-y, vas-y, mets-la. Ah non, j'ai pas le droit à la cinématique. Ah tiens, avant on avait droit à la cinématique à chaque fois qu'on finissait une étape. C'est cool ça. Voici la deuxième. À moins que si je suis dans l'autre truc. Non, c'est bon. Et boum. Ok. Oh, c'est sympa. Désolé de te dire ça, mais il ne sera jamais pilote de course. À moins que pour être pilote, il faille tuer tous les passants. Denis. J'imagine qu'il a dû réussir. Alors, ah voilà, on l'a fini là. Voilà, 100%. Bon, par contre, ils auraient pu détacher les cadavres. Ça aurait été cool. Apparemment, c'est pas leur intention. Alors, oh, c'est joli ça, chers amis. Alors, est-ce qu'on y est? On est dedans? Non, on n'est pas encore dedans. Hop. Alors, une ferraille, deux ferrailles et une relique, pardon. Deux ferrailles. Et une relique. Parfait. Quand la neige et la glace ont fondu pendant le grand dégel, l'eau était abondante. Quelques mois plus tard, il n'en restait rien. Elle est devenue si rare aujourd'hui. So much water.
was gone. 15 reliques historiques. Des charges explorées. Oh, seulement niveau 2. Bon. Alors, chers amis, on va se faire un déplacement rapide. Hop. On va aller chercher la... comment la... le buggy. Je vais y arriver. Collection. Buggy de chum, voilà. Et on va aller donc terminer cette zone avec ce dernier, vous voyez, champ de mine. Oh la vache. Alors, nous voilà partis. Bon bah une nouvelle zone de terminée pratiquement, chers amis. On finit ça et elle sera terminée. On progresse bien dans le jeu, on progresse à un rythme assez lent, je reconnais, parce que bon, on fait tout. Ah, salut les gars. Madame, madame. Bois. T'as des bras d'homme par contre, hein. Soyons honnêtes. T'as carrément des bras d'homme, hein. Elle avait un truc sur... Mais non, les tuez pas! Aïe. Ah non, c'est juste une lumière en fait. Par contre, j'ai pas le véhicule le plus rapide du monde. Autant être franc. Ok. Actuellement, le jeu chie un petit peu sur la physique, hein, faut reconnaître. Pourquoi ils sont arrêtés là-bas? Oh oui, viens. Ah, ils veulent pas s'aventurer dans la zone. Ils veulent pas s'aventurer dans la zone. Hop! Oui, c'est bon, on y va, mon toutou. Alors. D'accord, elle est juste là. Pourquoi pas? Les mines font légèrement bugger le truc. Chaque fois qu'on bouffe une mine, enfin qu'on essaie de désamorcer une mine, on rentre dans le sol. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait des problèmes à ce sujet-là. Hop. Voilà, tranquillement. C'est fait. Tout droit. Oh putain, tu pourrais même me prévenir un peu plus tôt, Cabo. Bon. Ça, c'est fait, chers amis. Plus aucune menace, Rotus n'a pas trop dans cette région. Si ça c'est pas top. On va donc aller voir rapidement, chers amis, notre ami Griffa. Et voir ce qu'il a à nous dire, à nous donner. On verra bien. Hop. Bon, ça roule plutôt bien ce soir, hein. Y a pas trop d'embouteillage. Les conditions de conduite sont optimales. Aucun ralentissement, aucun accident, aucun radar. Olé. Oui, j'arrive chez Griffa, bien que j'ai la classe. D'ailleurs, je vais être un petit peu dégueulasse, Griffa. D'ailleurs, tu sais quoi, Griffa? Ça fait longtemps que je me suis pas rasé. Ça se voit pas, mais ça va se voir bientôt. Attention.
Laissez pousser les poils, chers amis. Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste un paquet, dis donc. Voilà. Bonjour, je m'appelle Max. Hop. Je peux pas genre aller lui tirer dessus. Juste pour voir, pour la forme. Non, il est pas ciblable. Pas du tout. Parlez. Ouais, mais enfin bon, je suis un peu vieux maintenant. Parce que je fais pousser ma barbe. Alors, il attend même plus qu'on soit plus ou moins de son côté. Voilà. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on se relève? On se relève. Alors, et au passage, on va raser notre barbe, parce que voilà, faut pas exagérer non plus. On va se mettre même propre comme un sou neuf, voilà. Ah, je l'ai pas acheté celui-là. Oh, ça se trouve, il y a un truc à la con, du coup, du style acheter toutes les améliorations, sauf que... Ah, mais elles sont toutes débloquées, mais je les ai... Ah, mais je les ai pas achetées, en fait, ok, d'accord. Ah, Braveheart. Ah bah, on va rester en mode Braveheart, tiens, hop. Boum. Les jeux sont faits. Alors. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? On a fini la zone. Si, j'avais parlé d'aller faire les derniers, justement, alors, la relique historique, ok, d'accord. Les derniers nettoyeurs, ferrailleurs, par exemple, là. Élevage asticot. Ça peut être intéressant. Où est-ce qu'on peut se taper le plus proche? Faut qu'on aille chez Jit pour chercher la voiture. Ah, je suis con, la voiture, j'aurais pu la prendre en appelant simplement Chum Bucket. C'est trop con. C'est trop con, c'est trop con, c'est trop con. 18 minutes avant le prochain projet de récompense, bah dis donc. Tranquille. Alors. Parfait, je retrouve ma voiture. On va rusher directement sur les parties qui nous intéressent, par exemple là le ferrailleur. Hop. J'en ai déjà fait par là. Ah oui, mais il y a la Jack, maintenant je peux le faire avec la Jack, je crois. Ça me dit quelque chose cette histoire. Alors. Allons-y. C'est joli par là. Toujours un petit peu désertique, mais c'est toujours aussi joli. C'est ça qu'ils ont réussi à faire en fait, à rendre le désert vivant. Ça c'est assez balèze. Alors. Pourquoi? Aucune idée. Alors je suis passé par là en me disant que ça allait marcher. Alors. Celle-là, il y a quelque chose dedans. Pièce nettoyeur, voilà. Salut les mecs! Ok, deux coups pour avoir la fureur, je comprends plus.
Hop. Ah, j'avais une exécution de surface, c'est dommage, j'ai pas pu la faire. Non, j'ai rien entendu. Furieuse fureur. Hop, je suis déjà rang 5. Oh la gueule. Ici, donc, on a 3 de ferraille. Et un projet. Un de ferraille, donc. Plus que 2. On a de la flotte ici aussi, si on veut. C'est pas par là, donc. C'est au niveau de leur campement, peut-être. Là, il y a des munitions, peut-être des munitions de snipe aussi. Une cartouche de fusil, dommage. Je vois qu'il y a de la lumière en dessous aussi. On va aller voir là vite fait quand même. Récupérer l'eau. C'est pas comme si on avait pris des dégâts. Hein. Puis bon, là, elle va se remplir très très vite, ma gourde maintenant. Pour pas grand chose d'eau en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah bah la ferraille qui nous reste. Hop. Et notre projet. Parfait. Donc, on a l'élément de projet. Où est-ce qu'est la voiture? De l'autre côté. Je peux passer là ou pas? Ouais, je peux passer. Parfait. Donc on va aller du coup sur l'autre élément. C'est Petro City là-bas? Enfin Petroville, pardon. Je sais pas, c'est Gastown qu'il l'appelle, voilà. Je me rappelais plus comment il l'appelait dans la VO. D'accord, oui, je sais pas pourquoi tu m'as montré la vision directement marche arrière. Aïe. Je crois que j'ai coincé la voiture, mais bon, c'est pas grave. Ok. C'est parti. J'aime pas vraiment cet endroit. Moi non plus, pour être tout à fait honnête, mais bon. On est bien obligé d'y aller, hein. Si on veut absolument tout récupérer. Wow! D'accord, c'est un traquenard en fait. D'accord. Je vois ce qu'il appelle maintenant un détonateur. Ok, donc il y a du boulot. Maintenant on passe au suicidaire, comme dans Deadpool. Hop. En tout cas niveau butin on a trouvé ce qu'il faut. Donc ici, il nous faut 2 de ferraille et 1 pièce de projet. Pourquoi pas. Hop. Allez. Utiliser la barre à mine au moins 5 fois en fait, donc c'est cool. Roi des sables niveau 6, on va bientôt passer le niveau dessus. Hein. Ça continue. Hop. Hop. Il nous reste normalement un de ferraille à trouver, mais j'imagine qu'il est en haut. Alors. J'ai vu des munitions là-bas aussi. Je crois que je suis fou les niveaux de ma ceinture de munitions. Voilà, c'est bien ça. Vivement le prochain niveau, on va dire. Et voilà les dernières. Hop. S'il y a une porte là, pourquoi je la prendrais pas? Vers quoi elle mène? Rien du tout. Voilà pourquoi je la prendrais pas. Alors, on remonte, et où est-ce qu'on va tomber du coup? Dans la carcasse. Comme c'est intéressant. Ok, cool. Et il y avait celle-là ou c'est celle-là?
celle-là. Donc on va aller là. Ah, viens la voiture. Ça c'est une Chevrolet Spark, chers amis. D'un enfant de riche qui doit être genre 5 ans plus jeune que moi. Et que le monsieur il a rabaissé, dites-vous qu'il a rabaissé une Chevrolet Spark. Et il a bousillé mince, putain, j'ai plus le nom. En gros, les roues ne sont plus elles sont plus droites. Elles sont penchées vers l'intérieur. Voilà. Pour être extrêmement précis. Ça m'énerve de perdre mes mots, j'aime pas ça. Hop, allez, on roule. Pas trop près de Gastown, donc de Pétroville. Ah bah si, ça en approche en tout cas. Boum! Je vois pas en quoi on est en danger, hein, mais bon. Ok. Alors. Oula, il s'est passé des choses ici. Ne pas tomber d'un seul coup. Munitions plein. Alors, un petit peu de ferraille. Il nous reste encore un de ferraille à trouver et le projet. Alors, pas par là. Sauf si cette porte-là, elle est... Non. Le projet est ici. Donc on va aller voir Chejit après. Ah, 3 sur 4. Je l'ai pas fini, je croyais l'avoir fini. Ah ah! Surprise. je croyais l'avoir fini. Mince. Relique historique. Là j'imagine qu'il est dans un camp. Même pas. Alors là je sais pas du tout où il est. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de chance. Bon. Elle est finie? Oui, elle est explorée à 100%. Bon, on va se taper directement là. On va aller voir. Ok, bon. Mais salut Jean-Max, c'est bien appris de puissance. Partagez le... Oui, d'accord. Alors moi, je fais pas des clés, je fais des vidéos. Warner. Si vous voulez bien, me... Ça coûte 500, je peux le construire. Livraison de ferraille, cool. Reste plus qu'à espérer que j'ai le reste. Ah, j'ai de quoi faire le reste normalement. Bon, alors. Alors, où est-ce que c'est? Éclaireur, il m'en manque encore un normalement, oui, voilà. Ferrailleur, j'ai ce qu'il faut. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les ferrailleurs? La ferraille est récupérée automatiquement quand vous ne jouez pas. Une connexion en ligne est toutefois requise pour recevoir la ferraille. Oh! Mais c'est cool ça! C'est carrément cool! Ça me donne combien? Garder sa poudre sec. Ah d'accord, je pensais que ça allait me donner quelque chose. Jit, forteresse améliorée. Bah je sais bien, c'est moi qui le fais. Roi des sables, niveau 7. Élevage, asticot, il m'en manque un. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je crois qu'il a voulu m'indiquer. Alors.
D'accord, là-haut. Ok. Bah non, je l'ai eu. Ah, il y en a un là. D'accord, c'est celui-là que j'ai pas. Ok, cool. Ah, merci de me l'indiquer, c'est vachement sympa. Réserve d'eau, il m'en manque un aussi. Je peux voir où est-ce qu'il est? Alors. Alors. Faut le chercher maintenant. D'accord, il est là-haut. Ok, cool. C'est génial ça, j'aime beaucoup. Oh bah le pauvre. Oh bah merde, il en est mort. Alors nettoyeur. Détruit l'ennemi sur les... Ah c'est cool, l'affaire des véhicules ennemis détruits sur le territoire de la forteresse est automatiquement récupérée. Mais c'est génial. Putain, mais ça va nous aider grandement vis-à-vis de la récolte de ferraille. Je veux dire, le jeu pourrait nous donner des améliorations qui ne soient pas forcément extrêmement utiles. Vous savez que par exemple, faudra, il y a dans certains jeux, des fois, quand tu veux avoir un truc comme ça, faut avoir fait toutes les forteresses de tout. Par exemple, il aurait fallu avoir fait toutes les forteresses du jeu pour avoir quelque chose de plus ou moins rentable et encore de légèrement rentable, vu que au final, on n'aurait pas eu l'utilité, vu que on aurait déjà eu la plupart des améliorations achetables via la ferraille. Alors que là, non. Ça va être apparemment, à mon avis, assez rentable dès le début. Là, je me rappelais pas de ça, par contre. Ah, c'est peut-être ça, les fameuses améliorations. D'accord. Parce que là, du coup, il y a une espèce de barbecue, là, il y a des trucs. Là, c'est rempli. Ah, puis en plus, elle se modifie avec le temps. Là, il y a un... Oh, oui. Ah, putain, c'est génial. Et en plus, elle a une amélioration visuelle. J'ai hâte qu'il dégage cet endroit, en fait, alors, du coup. Ça c'est quoi déjà? Éclaireur, ouais. Waouh, c'est excellent. J'adore ce jeu, chers amis. Bon bah écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer dans les liens du script de l'épisode. Donc vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vais vous laisser sur cette fin d'épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Menu dans la Pérou. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.